What's up, Jean Internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur aujourd'hui pour une vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On va crafter le full space sur le serveur. Je crois pas qu'il y ait énormément de gens qui l'aient crafté, honnêtement. Je crois être dans un des premiers parce que la plupart des gens ont obtenu les pièces via les légendes de Rebag et tout, et je crois pas qu'il y a vraiment quelqu'un qui a réussi à crafter lui-même avec 24 space le full space. Donc on va crafter un full space et le reste on va vendre des spaces parce qu'on va pas se mentir les amis, j'en ai pas vraiment besoin d'autant. Je sais que j'en dois en réserver 25 pour un gars, je vais lui vendre contre 30 PB, donc ça on va les laisser les 25 là, et il nous en reste 25 pour crafter le full space. Donc on va crafter le full space les amis, donc on a besoin d'un plastron. On a besoin des jambières, nous avons besoin d'un casque, nous avons besoin des bottes. Et il nous reste un total de un truc. Donc, on est full space, c'est bien. Mais là, maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait... est-ce qu'on vend nos 25 contre de la monnaie? Est-ce qu'on garde? Je sais pas ce que je veux faire les amis. Je sais que mon but c'est d'avoir quand même beaucoup de space, beaucoup de mété. Donc on va voir, il y avait un gars qui voulait nous échanger, Gillian, 250k pour 25, 10k l'unité. On va voir s'il veut toujours nous les échanger. Moi c'est un bon prix pour moi, mais en même temps je peux toujours avoir plus, dans le sens que j'en ai mis quand même beaucoup à l'HDV, comme vous voyez ici. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de space à l'HDV. Donc, message Gillian, non, 250 ou rien, désolé. Donc ouais, s'il veut pas à 10k l'unité, moi je vais juste les garder, c'est pas grave, hein, j'en ai pas, je suis pas à la bourre quoi, on peut toujours faire quelque chose avec ça. Donc, on n'a pas assez, comme je vous l'avais vu, j'ai tout perdu ma monnaie au pierre-feuille-ciseaux. C'était vraiment bête de ma part, mais bon, j'ai fait une connerie. Maintenant, le but ça va être de remonter dans les plus riches du serveur, donc je sais même pas si je vais l'enchanter le full space. Je sais pas vraiment, honnêtement, je sais pas si je l'enchante, si je vends mes autres pièces de trucs, je sais pas comment qu'on va fonctionner. Mais je sais déjà qu'on va commencer par essayer de trouver des livres P4 et tout. Donc je vous reprends dès que j'ai trouvé tout ce qu'il faut pour crafter des livres enchantés. Ou sinon, dès que j'ai le trade avec lui, s'il accepte de le faire à 250 000. Sinon, je suis pas intéressé. A tout de suite! Donc on va faire un trade, on va lui donner 6 space pour 6 PB. Donc finalement on va regarder les PB, il voulait pas nous l'acheter à 250 000. Donc nous on va se faire des PB, c'est beaucoup plus rentable pour nous. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je vends... attends c'était quoi? Saut 13... attends c'était quoi? Saut... Il y avait un gars, c'était S quelque chose. Il voulait il m'a MP juste avant. C'est quoi son pseudo? Saut 3. On va voir après, je pense que le serveur la crash en fait. Il n'y a personne qui bouge, ça veut dire que le serveur en crash. Je vous reprends lorsque j'ai un autre échange. Je me suis entendu sur un marché avec saut 3N. Donc ça va être 3 space contre 4 PB. Donc 3 space, il va mettre 4 PB. Et on va avoir un total de 10 PB pour avoir vendu déjà 9 space. C'est plutôt pas mal. On continue les amis, on avance. On va avoir le plus de PB possible. Et je vais essayer de les économiser cette fois-ci. Pas faire des conneries, de faire des gros unboxings de légendes de Rebag et avoir que de la merde après. Donc ça c'est un bon trade. Merci à toi, t'es en vidéo. Oui monsieur. Donc un gros merci à toi, beau gosse. Ok, on va faire un trade avec 2KingGG qui est un YouTuber sur le serveur les gars. Donc c'est 31 space contre 35 PB normalement. Et voilà, c'est l'offre qu'on a. Donc on les vend un peu plus de... Peut-être un 10 le space, quand même pas si mal, on se fait du profit. Et lui, s'il veut les revendre de son côté, il pourra faire aussi du profit. Donc, des deux camps, on est gagnant. En plus que maintenant, bah, avec le full space que j'ai ici, j'ai de l'espace un peu dans mon under chest. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai tout mis mes pommes cheat, creeper de tout type. Ici, je vais mettre tous mes épées. Donc, quand j'aurai une space blade ici ou un autre épée en mété et un autre arc punch, parce que là, j'en ai que deux. Ici, j'ai mis mes minerais, donc mes blocs en tita, mes métés, mes futures space. Mon four, ma farmax, et ici on mettra un truc si jamais on a besoin de quelque chose rapidement. Donc toi tu veux prendre un screen, on va prendre un screen. Et dans mon skill chest j'ai mis 2 P4 pour PvP rapidement avec tous les machines. Et comme d'habitude, ben, vu qu'on s'est fait piller notre farm dans les derniers jours, j'ai mis les upgraders et tout dans mon essai. Mais dès que ça sera vide, on va pouvoir continuer à mettre des stuff ici et nos pépites et tout en haut. Donc ça sera plutôt intéressant. Donc on va fusionner nos trucs. Donc là comme vous voyez j'ai une sharpness 3 dans mes mains. Donc je vais faire une sharpness 3 pour faire ensuite une sharpness 4. Avec les plantitas, comme ça je vais pouvoir utiliser une épée en tita sur moi et pas une épée en mété. Parce qu'on va pas se mentir, mourir avec un épée, un truc en mété, ça aurait été un peu chiant. Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant, j'ai quelques niveaux. Je vais juste trouver des livres, les gars. Dès que j'ai trouvé des livres, je vais faire des bouquins pour pouvoir essayer d'avoir notre plastron, notre full space en P4U3. Et je vous reprends dès que c'est fait. Ok les gars, donc j'ai déjà mis Protection 3 dessus avec mon kit custom kit. Alors maintenant, moi j'ai un livre P3 et un livre U3 avec une pièce à spawner que j'ai vendue et des creepers que j'ai mis dans mon EC. Donc ça nous fait déjà la place en P3, U3. Donc il faudra continuer à travailler là-dessus les amis plus tard. Mais pour l'instant, on a notre full space, on a aussi notre stuff pour PVP. Donc si jamais on se fait assaut quoi en mode gros tank. J'ai vendu casque et bot space contre 10 PB à 2KingGG, donc le même gars. Et finalement, Skip il veut rejoindre notre faction, donc on l'a invité. Donc présentement, je vais aller voir sur le site juste à côté vite fait les gars. J'ai présentement 55 points boutique. Donc c'est quand même vraiment bien. C'est vraiment bien pour ce qu'on avait. En fait, on avait 31 space. Donc... c'est ce que je croyais. J'allais dire il nous donne 2 space. Non, c'est pas possible. Donc, ouais, c'est plutôt bien. 55 PB. Donc, on avait un stack de space. Il nous reste encore le full space. J'ai entendu parler qu'un full space, ça se vendait pour les alentours de 30 PB en ce moment. Donc, si on est capable de vendre notre full space après, ça nous fera un total de 70 PB. Et ça, on sera en méga profit en soi. Vraiment méga profit. Donc... On verra ce qu'on va faire, j'aimerais déjà l'enchanter, mais si je trouve un acheteur avant qu'il soit full enchant, si je trouve un acheteur qui veut m'acheter le full space, moi surtout le plastron et les leggings, j'utilise jamais, j'utilise moins en mété, je trouve que c'est mieux, parce que bon, avec le speed déjà, ça fait des rollbacks, ça fait des trucs comme ça, là, quand on PVP, ça fait des trucs comme ça, et le pantalon, ben, je sais pas, je préfère avoir des métés, donc bon, on verra en temps et lieu, mais pour l'instant... On est plutôt bien. Donc, sur ce, les gars, je vous reprends un peu plus tard lorsque nous avons trouvé tout ce qu'il nous faut pour enchanter le stuff ou pour une autre séquence plus intéressante. À tout de suite. Donc, les amis, le serveur a été fermé pendant longtemps, mais j'ai fini par faire mon full P4. Donc, j'ai réussi à mettre Aqua Speed sur les jambières. J'ai mis P4 et 3 partout. Et comme on peut voir, il est 25-25 partout. Donc, je suis plutôt content. Donc, ça vaut... Je sais pas si je vais le vendre. Peut-être je pourrais le vendre contre 30 PB, comme j'ai dit. Ça serait un bon prix pour moi. Mais un chandail, mais quand on veut pas voir tes gros muscles, hein. Donc je pense que j'aimerais ça le vendre 30 PB. Donc si vous êtes intéressé à me l'acheter pour 30 PB, dites-le moi les amis dans les commentaires. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était IconZQc. Ciao ciao!